Allô, oui, chambre 28. Ah, vous voulez un petit déjeuner? Un thé, un café? Et des quoi, des toasts? Host, et toast? Et toyos? Et toyos? Des toyos? Et toast? Des toyos? Des toyos? Bon, et play, s'il vous plaît. T. O. A. Doucement. S. T. Toyos, was. Historios! 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 Ah ouais, des tartines grillées, quoi. Vous voulez beurre ou Saint-Doux? Les deux, il y a un sus. C'est marrant, ça aussi, hein? Hein? Ah, vous le voulez pour aujourd'hui? Oh, les gens sont gonflés, là, hein? Demandez un petit déjeuner pour le jour même. On a un hôtel, on n'est pas une épicerie fine. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Les gens se croient tout permis, là. Oh là là, ne m'en parlez pas. À l'heure qu'il est, tout va à vélo. Qu'est-ce qu'il vous aurait fallu, monsieur? Eh bien, monsieur, ma foi, une chambre, tout simplement. Une chambre? Mais oui. Et suis-je bête, puisque nous sommes à l'hôtel. Ah, de par le fait? Une chambre avec un lit? Alors oui, un seul lit, puisque je suis seul, par conséquent. Veuf de l'avant-veille au soir. Ah non, non, elle a dérouillé. Attention, elle a bien dérouillé. Hein. Je m'en fous, c'est une feignasse, mais enfin, elle a dérouillé. Ah, c'est une vraie feignasse, hein. C'était la... Oui, non, mais la vraie feignasse. Je veux dire quand même qu'il y a un lit dedans. Ah ben, parce que moi, ce que je veux, c'est dormir, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Donc un lit en plus de la chambre. Voilà. Ben comment ça, un lit en plus? Parce que vous n'avez pas un lit dans chaque chambre? Non, monsieur. On met un lit si le client fait la demande. Ah oui, enfin, ce qui m'intéresse, c'est le lit, n'est-ce pas? On se comprenait le lit, pas la chambre. Ben, mais je vais dormir où, moi? Dans le lit! Oui, mais je vais le mettre où, la laïtou, le lit? La laïtou? Oui. Je vais le mettre où, la laïtou, le lit? La laïtou. Oh, oh, oh. Je vais le mettre où, la laïtou, le lit? Et trou, la laïtou, le lit? Oui, oui. Ah! Ah, troulala, ah, troulala, 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 laïtou, troulala, 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 mais je vais te calmer, moi, mon petit bonhomme. Je vais te calmer. Il aime pas quand je fais ça, il aime pas du tout. Alors... pas fait exprès. Alors il faudra peut-être aller voir un oculiste qui est, comme son nom l'indique, un spécialiste de la vue. Excellent. Oui. Alors tu es gentil, tu ne touches pas à la valise, merci. Pardon? Non, je dis tu es gentil, tu ne touches pas à cette valise, merci. J'ai mal entendu. Alors dans ce cas également, il faudra arrêter la branlette. C'est d'un très haut niveau! Ça n'est pas la peine d'esquinter un accessoire de scène et puis c'est tout. On se fout de ta valoche. Non, monsieur, on ne se fout pas de ma valoche. On n'abîme pas un accessoire de scène et puis c'est tout. On se fout de ta valoche. Non, 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 non. Quand on se fait une certaine idée du théâtre, inspiré aussi bien par le sentiment que par la raison, on n'abîme pas un accessoire de scène et puis c'est tout. Non, mais qu'est-ce que tu nous fais, là? J'ai dit qu'on se fout de... ta valoche, là, c'est pas le problème. Tous ici, on se fout de ta valoche. T'en fous. Et son petit cahier de merde, là. On s'y intéresse aussi, hein. Et son petit bic de fonctionnaire en retraite. Mais j'y pète, moi, son bic, et hop là. Mon bic. Il a pété mon bic. Oh, ouais, j'ai pété, moi, son bic. Mon bic. Elle est mon bic. Je l'avais eu pour ma communion. Ah, voyons. Elle est paradine, la marraine, déjà, là. Tiens, mon gars, pour ta communion, un joli petit bic avec un beau petit capuchon, parce que... Va chercher. C'est un malade, c'est un malade.
Ah oui, bah il me l'a défoncé, cette andouille. Ah oui, il l'a défoncé, regardez, il l'a bien défoncé, hein. Ah oui, il l'a défoncé. C'est pas avec sa femme qu'il en ferait autant, évidemment. C'est un festival. Eh oui, seulement maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, elle n'est pas droite. N'est pas droite. Non, elle n'est pas droite. Eh ben, elle est tordue. Comme ta gueule. Ok, bien, vous n'avez pas une place pour le mettre chez vous, votre lit. C'est ça, redis ton texte, ça te fera du bien, ça va te calmer un peu, là. Vous n'avez pas une place pour le mettre... Il te va bien, ton nouveau gilet. Il a un nouveau gilet qui est très joli, qui... Non, c'est vrai qu'il fait rideau un peu en même temps, et qui... Oui. Qui va bien avec le rideau, là. Oui, oui, oui. Non, il va bien, celui-là. Non, il te va bien, il t'affine. Oui, oui, merci. Il t'affine vers le haut, puis alors il t'évase vers le bas. Pour épouser la forme du gars qui est taillé culbuto, vous savez, là... Ah, mais je le bouge comme je veux, le pecno, moi, c'est pas un problème, hein. Vous n'avez pas une place pour le mettre chez vous, votre lit? Eh ben, j'ai pas de chez moi, puisque je viens à l'hôtel. Vous n'avez pas de domicile? Ah ben si, j'ai un domicile chez moi, à Lyon. Vous habitez Lyon? Ben oui, pourquoi pas, il en faut. Oui, oui, oui. Surtout là-bas. Ben oui, c'est sûr, oui, oui. C'est moi, ici, mon petit gars, nous sommes à Paris. Ah ben oui, je sais, alors? Alors, je ne reçois que les habitants de Paris. Pas ceux de Nantes, de Bordeaux ou de Lyon. Bon, alors où est-ce que je vais aller passer la nuit, moi, maintenant? Dans un hôtel qui accepte les gens de Lyon. Et où est-ce qu'il y en a? À Lyon! Remarquez, j'ai un train qui repart dans 20 minutes avec un petit peu de chance. Je peux encore essayer de le prendre. Et puis, ça tombe pas bien parce qu'il y a un hôtel qui est près de chez moi, à Lyon. Oh, vous voyez, quand on peut s'arranger. Ah, merci infiniment, monsieur. Vous avez été très aimable. Je vous en prie, le client est roi. Ah non. Vous avez été très courtois et très compétent. En un mot. Excellent. D'ailleurs, si un jour vous aviez à nouveau besoin d'une chambre, n'hésitez pas à revenir m'emmerder. Oh, mais avec joie. Voilà, tu peux t'en aller. Je n'avais pas remarqué que ton très joli gilet était bicolore. C'est-à-dire que derrière, il a des reflets verts, vert kaki, kaki d'oie. Et devant, il a des reflets rouille avec un petit peu de jaune, jaune cocu. À propos, comment va ta femme? Pas de nouvelles? Donc, qu'est-ce que c'est marrant, dis donc! Elle s'est barrée, elle s'est barrée. Eh ben, ça va, c'est ma vie privée. Oui, on la comprend. Oui, ça va, oh. Ah ben, elle était pas vilaine, elle. Vous vous étiez, je crois, m'avait-on dit, rencontré aux eaux de Vincennes. Ah, c'est exact, là, je dois dire. Il rentrait sans payer, lui, hein, pas oui, de problème. Oui. Non, je dois dire que l'information n'est pas fausse, là. Nous étions d'ailleurs venus te donner à manger. C'est marrant, ça aussi, hein? C'est marrant. Ma valise! Ma valise! Oh!